Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Capo 86. Je vous souhaite tous une bonne année, une bonne santé, mes meilleurs voeux, une bonne session de pêche, plein de poissons. Donc je fais une petite parenthèse vite fait sur l'année dernière. On n'a pas sorti de vidéo parce qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps de faire des vidéos. On n'a pas pris le temps non plus d'aller à la pêche. Les journées sont assez courtes, donc on a stoppé tout d'un seul coup. On aurait pu faire des vidéos pour vous le dire. On n'a pas pris le temps. On a voulu passer un peu notre fin d'année en famille, tout ça. Voilà. Deuxième petite chose, je n'ai plus de micro, je peux plus le brancher sur mon téléphone, donc la qualité de vidéo la qualité de son sera moins bien que l'année dernière, que mes dernières vidéos. Donc ça, je vais essayer de rectifier ça. Ensuite, donc voilà, ça c'est la parenthèse pour la fin d'année 2022. J'en ai une autre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de best-of de 2022. Donc en gros, ça va être best-of, ce que j'appelle best-of. Ça va être tout ce qui est humoristique. Qu'on a voulu se présenter dans nos vidéos, comment on bégaye, comment on cherche à expliquer les choses, où on parle et on se dit mince, qu'est-ce que je voulais dire, un genre de choses, où il y a des petites danses, des trucs comme ça, voilà. Nos moments de délire, voilà. Nos moments de pétage de plomb, voilà. Comme tout le monde, hein, bien sûr, ça réussit pas toujours, hein, la pêche. Alors que normalement, la pêche, c'est un moment où on se détend. On est là pour changer les idées, prendre du plaisir. Sauf que là, bah voilà. Excusez-moi. Là, je suis en début janvier. Donc, il fait beau. Je préférais qu'il pleuve pour remonter les eaux, les étangs, les rivières, tout ça. Enfin, toute la terre entière, on a largement besoin. Voilà. Donc, projet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le salon de Montluçon où on ira le visiter. Sur une journée, donc moi j'y serai, ce sera la première fois que j'irai. Titi, ça doit être deux ou trois fois, je crois, de mémoire. Donc on va y aller toute la journée, donc on prendra des photos, des vidéos et on vous présentera tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a TikTok, de la chaîne Capo 86. J'ai mon TikTok aussi personnel, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai les liens en bas dans la vidéo. Bien sûr, on a Instagram aussi. Donc cette année aussi, donc par le salon de Montluçon, on ira aussi pêcher un petit peu partout. On va pas forcément pêcher que à Bellefonds. Bellefonds, on sait que c'est un étang fédéral. On peut pêcher 48 heures, on peut pêcher au bateau amorceur, à distance, on peut pêcher à tout. Bon, je suis pas trop fan du bateau amorceur, mais j'aime bien, je dis pas le contraire, enfin pas trop fan. Disons que j'aime bien lancer au bord de l'eau avec, avec mes lignes. Le bateau amorceur, je dis pas que c'est nul, je suis moins fan, j'aime bien, au contraire j'aime bien. Mais je pense c'est pas quelque chose, je m'en sers régulièrement. Il y a 2 ans, j'étais à La Rochelle, on a fait une session. Toutes mes réussites, je les ai fait au bateau amorceur parce que c'était un endroit précis. Parce que si je faisais, je clippais, fallait que je sois toujours au même endroit. Parce que le problème, c'est que si je lançais long, je me mettais au même endroit. Je pouvais être lancé un petit poil trop fort, ou j'étais pas très bien positionné, j'attirais dans la branche. Si je reculais trop, j'étais trop loin du truc. Bref, c'était vraiment très précis. Voilà. Donc là, cette année, je pêche encore une fois à 2 cannes. Donc, il faudrait que je vois pour m'équiper avec mes 4 cannes. Surtout quand il y a des endroits où tu es autorisé à 3 cannes, 4 cannes. Voilà, parce que souvent les étangs on nous propose, c'est vous payez une canne, 2 cannes, 3 cannes. Voilà, donc souvent je pêche à 2 cannes. C'est des cannes de 10 pieds. Et ce que je voudrais me racheter, ce serait des 13 pieds. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres projets. Donc c'est de pêcher un petit peu partout dans d'autres étangs, vous montrer du poisson. Puis si on n'en pêche pas, on vous montrera ça aussi quand même. C'est pas un problème. On n'en a pas honte de pas montrer de poisson, c'est pas un problème. Nous, on a toujours la même idée, on n'est pas, on fait pas de la compétition, on n'est pas là non plus pour avoir un maximum d'abonnés. On est là pour montrer notre passion, partager ces moments-là,
Donc voilà, c'est que nous, ce qu'on veut montrer, c'est partager notre moment, notre délire, notre façon, voilà, notre façon de pêcher, toutes ces petites choses-là. Bien sûr, si on a du poisson, c'est que du bonus, c'est que du plaisir à partager ça avec vous. En parlant de compétition, on n'est pas compétiteur, certes, mais ça va pas nous empêcher d'essayer de faire quand même essayer de faire quand même un concours de pêche. Alors où? Pour l'instant, je sais pas, hein, parce qu'il y en a plein dans le coin qui le proposent. Comme l'étang de Bonne, l'étang de Montluçon. Non, pas Montluçon. Non, Belfond. Oui, non, l'année dernière, il y a eu l'étang de Belfond. Bah, bref, j'ai perdu le mot. Le nom de l'étang, c'est pas grave. Il y a aussi un concours, il y a eu. Il y a des concours à La Rochelle, enfin, on a plein d'endroits, donc on va voir. Hein. Il y a aussi Leclin qui propose, je crois que c'est Chauvigny qui propose ça. Donc on va voir. On ne fait pas partie d'une team non plus. Donc là, voilà. Donc nous, on va essayer de faire cette année un petit concours de pêche, un petit 48 heures, 24 heures. On va voir ce qui va se présenter. On va essayer tout ça. On va essayer de partager ça avec vous. Faut qu'on voit. Aussi, je veux voir moi personnellement, c'est revoir mes montages parce que mes montages, je les ai pas trouvés bien en fin d'année. J'avais remarqué quelques petits trucs qui me plaisaient pas. Donc, il faut que je me rééquipe là-dessus pour faire des bons montages. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pêche beaucoup à la pop-up, pardon, ou à la wafter. Parce qu'en fait, j'explique vite fait pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, hein. Il n'y a pas de honte à avoir. On n'est pas obligé de tout connaître. Donc voilà. Donc on imagine que ça c'est le sol. Et moi souvent mes paddling, ils sont souvent. Le paddling, il est collé au fond. Donc j'ai des bouillettes, ma bouillette fétiche, comme j'appelle ma bouillette fétiche, c'est là où je pêche souvent avec et que j'ai souvent des résultats. Ma bouillette, elle est collée au fond. Et moi j'aime bien que ça soit légèrement décollé. Donc quand c'est légèrement décollé, on a la wafter qui se lève un petit peu plus, que elle se décolle du sol. La pop-up, elle remonte. Ça, on va dire, c'est un jour de polystyrène qui remonte à la surface. C'est pas fait pour couler, quoi. Donc quand j'ai mon hameçon, on imagine que, on imagine que ça c'est l'hameçon. Et la bouillette, elle est là. La bouillette normale. Ce sont des bouillettes denses, enfin les bouillettes denses que j'ai là, que j'aime, mes bouillettes fétiches, je peux pas les percer tout ça parce que c'est des bouillettes qui se dissout très 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 vite, donc essayer de faire quelque chose que ça se relève, c'est pas l'idéal. Donc les bouillettes normales sont comme ça, les petites wafters vont se relever, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pour donner un bon aperçu, elles se relèvent de ça, on va dire, d'accord. Et les pop-up, bah comme je vous dis, ça va remonter. Alors il suffit que je me trompe dans mes choix de bouillettes ou dans mes montages. Ça fait que mes pourcentages de réussite sont très très bas. Donc voilà. Donc là ici j'ai ma tackle box avec mes paddling. Je suis en train de voir pour faire peut-être un montage ou deux pour des bouillettes normales. Ranger un peu mes badlings parce que c'est un peu le bordel et qu'il y a des badlings qui datent depuis très longtemps qui tiennent plus la route et d'autres qui tiennent très bien et que je suis en train de voir peut-être aussi refaire quelques montages pour mes sacs solubles. Donc voilà. Donc n'hésitez pas dans la vidéo à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo voir. Nous encourager, enfin n'hésitez pas à poser tout un tas de questions. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez une vidéo Best of 2022 avec humour. Voilà. Je vous mettrai dans les liens, je sais plus si je l'ai dit, mais je vous mettrai dans les liens mon TikTok personnel, enfin personnel, façon de parler, mon TikTok en dehors de la chaîne, mais je le compte quand même dans la chaîne. On a un TikTok Capo du 86. On a
Instagram aussi, Instagram Capote du 86. On a aussi nos deux comptes Instagram personnels, vraiment personnels, mais on mélange un petit peu aussi là-dessus. On a des comptes Facebook aussi, mais pour l'instant, on les a pas mis dans la description. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les vidéos ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un maximum de commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? Bah, là, pour cette vidéo, bah, pas grand-chose. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous dis, et je me répète souvent. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle session, et je vous dis à très vite. Ciao.